Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello. Bonjour. Habari za leo. On behalf of ECLI Africa, the Africa Center for Cities, our future cities. Surge Africa and the Red Cross Crescent Climate Center. We are delighted to welcome you to the Rise Africa 2023 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is the third edition of our virtual festival. It brings together insights, practices, and visions from across the continent. This year's theme is the cities we want. The cities we want. The cities we want. The cities we want. This mirrors the African Union 2063 agenda vision, the Africa we want. It is a wonderful pan-African call for transformative change. However, the agenda does not adequately embrace urbanization as a potential positive force for improving prosperity, inclusivity, and environmental well-being on the continent. We need more emphasis on the role of cities and local action. And this festival aims to provide inputs into this agenda. The cities we have are expanding, incomplete, inventive, contested, facing impending crisis yet brimming with potential. The cities we want are people-centered, safe and healthy, beacons of culture, unflinchingly modern, and adapting to change and leading global innovation. We'll make these cities through experimenting, learning, collaborating, and amplifying the everyday actions of people who are shaping their cities. The festival invites you to embrace different ways of knowing. It invites you to forge new partnerships, experiment with new concepts and ideas, to seek ways to bridge science, business, policy, and the arts. Together, let's enter this space in the spirit of poetic possibilities. Nous venons tous de diverses cités, et c'est cela vraiment notre diversité, la force formidable de notre continent. Et pourtant, nous marchons encore sur des routes fragiles. Comment construire notre Afrique avec ce terre malhabile, cette allure galvaudée loin des initiatives qui pourraient de nos villes faire une place active? Et que dire? Que dire à présent de notre jetion, de l'eau que l'on gaspille parfois sans concession, des ordures recyclables mais jamais recyclées, de ces paysages admirables mais bien souvent trop gâchés. L'histoire rappelle que c'est l'Afrique qui nous rassemble et que pour la construire, il faut agir ensemble. Moi, je veux une révolution. Une révolution de nos villes. Je les veux plus vertes et je veux de l'accueil des cités merveilleuses. Et puis, bon pied, bon œil, au gré de leurs histoires, sur les pas d'une histoire. Car nos villes, c'est l'aventure. Nos villes sont nos miroirs. Pour l'urbanisme intelligent, nos villes nous appellent et nous interpellent pour l'action, maintenant. Merci, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Nous souhaitons vous remercier. Merci de la part de ECLI Africa, de la part du Centre africain pour les villes, nos villes d'avenir, Surge Africa, et le Centre pour le climat de la Croix-Rouge. Bienvenue, c'est la troisième, la dernière journée de notre festival Action 2023. J'aimerais vous demander que tout le monde puisse faire preuve de respect dans cet espace, un espace de conversation dans le respect. Nous vous demandons d'allumer votre micro et votre webcam lorsque vous souhaitez prendre la parole, lorsque les modérateurs vous y invitent. Tous les avis, tous les points de vue sont les bienvenus dans notre espace, mais nous n'allons pas accepter le manque de respect. Nous vous souhaitons d'écouter dans le respect, dans l'Ubuntu. Et bienvenue à cette journée de l'Afrique. J'aimerais alors vous proposer dans les minutes à venir
à participer à cet esprit commun en participant. Alors, est-ce que vous pourriez décrire en un mot l'Afrique dont vous rêvez? Je vous invite à participer dès maintenant à la conversation. Alors, si vous pouvez, s'il vous plaît, écrivez dans la messagerie. N'envoyez pas encore votre réponse. Écrivez votre réponse et nous allons cliquer sur écrire, envoyer. L'Afrique dont vous rêvez, notez en un mot ou en quelques mots. Et nous allons tous cliquer ensemble et écrire notre réponse ensemble dans la messagerie, dans le chat. Alors, préparez votre réponse. À présent, cliquez sur Entrée, cliquez sur Envoyer sur Zoom dans la messagerie. Je vais compter jusqu'à 3, 1, 2, 3. Ah, je vois égalitaire, inclusive. Sans corruption, prospère, sûr. Une Afrique en pleine expansion. Eh bien, gardez ces termes, ces réponses dans votre cœur, dans votre esprit, puisque à la fin de cette journée où nous abordons les villes que nous méritons, nous allons revenir à la fin de cette journée pour commencer à bâtir ces villes, façonner ces villes que nous méritons et que nous cherchons. Et nous avons exploré ce thème en trois axes de travail sur trois jours. Le premier jour, nous avons commencé, c'était sur certains sujets, des sujets où nous étions très à l'aise, d'autres beaucoup moins à l'aise. Donc, nous avons parlé de nos villes, les villes que nous avons, qui sont parfois vues comme des endroits brisés, des endroits misérables. Mais il faut reconnaître aussi le potentiel, ces villes qui sont pleines d'énergie, d'exubérance parfois. Et ces sessions, pendant le premier jour, nous ont fait réfléchir aux points les plus importants, aux actions qu'il faut mettre en place pour vraiment réussir à réaliser, donner naissance aux villes que nous souhaitons. Nous avons parlé du déficit d'infrastructure, la criminalisation du secteur informel, la criminalisation des personnes qui ne se conforment pas aujourd'hui aux visions binaires. Nous avons commencé à parler des villes que nous cherchons à avoir pour l'avenir et nous avons reconnu le rôle très important de l'économie informelle, ceux qui soutiennent notre économie. Nous avons parlé avec nos visionnaires, nous avons écouté des histoires personnelles et des histoires des communautés. Nous avons expliqué le fait qu'il nous faut des alliés, des partenariats pour la réalisation de nos villes de l'avenir. Nous avons parlé avec Malika Inglovo hier, nous avons parlé des villes que nous voulons, nous avons écouté la réalité des villes que nous avons écouté ce fossé entre les villes que nous avons, entre les villes que nous avons et les villes que nous cherchons à réaliser. Nous avons parlé de cet espace entre les deux, ce fossé à combler, c'est l'espace pour la créativité qui donne la place à la créativité. Nous avons besoin d'une vision. La vision de la ville du nous, la ville pour nous et non plus pour moi, je. Alors nous avons cette vision collective et il faut toutefois penser à notre rôle personnel pour arriver à les réaliser, ces villes que nous méritons. Et c'est pourquoi nous nous posons par exemple cette question, qui sont les utilisateurs au quotidien de nos villes?
nous regardons les villes occidentales, par exemple, nous voyons que ce sont la construction des villes est un processus en évolution constante. Les villes vivent, changent. Ce que j'ai retenu hier est que nous devons prendre en compte cette vision collective de la ville que nous souhaitons. Mais alors, qui sommes-nous? C'est ce que j'ai retenu moi hier. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons cette vision individuelle, personnelle, ou est-ce que nous voulons la vision collective? Et alors, le comment? D'où nous vient cette force, ce moteur de notre souhait? Qui prend cette vision et la met en œuvre? Est-ce que c'est un effort collectif? Et nous arrivons maintenant. Nous avons toutes ces questions en tête, ces idées, nous avons cet espace créatif qui a été créé vraiment ces deux derniers jours. Et maintenant, il nous faut nous poser une question importante. Est-ce que nous méritons ces villes que nous voulons? Le concept de mérite, vous savez, c'est un sujet controversé. Il présuppose que nous méritons certains résultats seulement si nous remplissons les préconditions. Bien sûr, cette notion est antithétique par rapport au concept de justice, de justesse, d'équité, des droits de la population à l'accès à la ville. Mais si nous regardons de par l'histoire, nous savons que des situations défavorisées, des vestiges de l'époque coloniale sur notre continent, trop souvent, malheureusement, nous retirent cet élément de mérite de ville meilleure. Souvent, cette situation dans laquelle nous évoluons. C'est pourquoi l'agenda 2060 de l'Union africaine nous invite à réfléchir à ce thème pour lutter contre cette tendance et pour... Nous parlons maintenant du plan pour l'Afrique. Pour que l'Afrique prenne sa place, réalise son potentiel, réalise sa puissance. Nous cherchons à avancer en conformité avec l'agenda 2063 pour voir les résultats quantitatifs et qualitatifs pour la population africaine. Et nous devons aussi, si besoin, ne pas hésiter à critiquer l'agenda, à dire que peut-être dans cet agenda, effectivement, nous voyons des aspirations, des souhaits, mais nous avons besoin de localiser, personnaliser ce programme de l'Union africaine. Parce que nous devons prendre en compte l'Afrique qui émerge, qui évolue aujourd'hui. Alors, je vous invite à réévaluer cet agenda 2063 et à le voir s'il est réellement, concrètement réalisable, pertinent pour nos villes africaines. Et j'aimerais dire que, bien sûr, nous méritons de voir les villes que nous voulons, que nous souhaitons. J'en suis certaine. Je vais donner la parole à notre premier conférencier qui va nous expliquer exactement pour entamer cette conversation sur les villes que nous méritons. Juste après, nous allons entamer une session où, ensemble, nous participerons à l'exercice créatif pour arriver à parler de notre vision de nos villes de l'avenir. Et en prenant en compte, bien sûr, l'idée encore plus large, l'objectif encore plus large, qui est qu'à la fin de cette session et à la fin de notre festival, de nos 3 jours de festival, nous pourrons concrètement, véritablement, présenter notre position auprès de l'Union africaine, présenter les villes que nous voulons,
les villes que nous méritons. J'invite alors Dr. Brighton Krumah, notre premier conférencier, notre premier orateur. Partagez avec nous, s'il vous plaît, votre vision des villes que nous méritons. Merci beaucoup pour cette introduction. J'écoutais les discussions des deux derniers jours et j'ai trouvé, bien sûr, ces conversations extrêmement informatives, pertinentes. Et je vais parler des villes, nos villes, et des droits humains, sous l'angle des droits humains, puisque vous posez la question de ce que nous méritons. Ce que nous méritons, nous pourrions dire, c'est ce à quoi nous avons droit. Et c'est pourquoi cela me fait penser à la question des droits humains. Vous savez que nous savons ce à quoi nous avons droit, quels sont nos droits humains, mais c'est la mise en œuvre, la mise en application, le respect des droits qui peut parfois être difficile. Et si nous regardons donc de plus près les villes en Afrique, que ce soit à Lagos, au Cap, à Johannesburg, nous savons que, bien sûr, il y a les besoins fondamentaux de la population, que ce soit l'alimentation, l'eau potable, l'électricité, le logement, ce sont les besoins de base. Et la question première que je poserai est, est-ce que les villes ont les ressources pour pouvoir répondre à ces besoins de base ? Au-delà de l'Afrique, d'ailleurs, je dirais qu'en dehors de l'Afrique, il y a cette perception, je dirais, en 2023 en tout cas, cette perception est que l'Afrique et les villes en Afrique ne sont pas durables. Avec l'idée que les villes africaines n'ont pas ces ressources nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Mais nous savons que l'Afrique est très éclectique, très hétéroclite géographiquement, très étalée. Nous savons qu'il y a des différences importantes et beaucoup de pauvreté dans beaucoup de villes d'Afrique, des manques d'infrastructures, des manques de ressources pour répondre aux besoins de leur population. Souvent, grâce à cause d'une mauvaise utilisation des ressources ou une mauvaise gestion ou un manque de gestion. Et je pense qu'il faut revenir à la question de la redevabilité, la responsabilité. Si nous pensons à l'Afrique, il y a des décennies, des siècles, nous avions des philosophes, des penseurs qui étaient à la tête des groupes, des clans qui mettaient en avant les besoins de la communauté avant leurs propres besoins individuels, qui pensaient de façon collective, communautaire. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants, des leaders modernes, contemporains, qui n'ont plus cette vision altruiste, communautaire, plus autant, disons, qu'auparavant. Quel a été alors ce changement de paradigme ? Qu'est-ce qui l'a posé ? Qu'est-ce qui l'a causé ? Je dirais que c'est peut-être une concentration sur la dynamique des partis. Nous voyons que nous avons maintenant des maires ou des personnes à la tête de la communauté, des communes, des municipalités qui sont élues selon leur affiliation à un certain parti plutôt que de par leur mérite personnel et réussite personnelle.
La question est maintenant, comment est-ce que nous pouvons transformer nos villes pour qu'elles deviennent plus responsables, beaucoup plus appropriées, qu'elles puissent favoriser le bien-être, le bonheur de la population. Alors, je dirais que le premier élément est d'autoriser la participation de la population à la prise de décision. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les personnes les plus ingénieuses, qui auraient peut-être les idées les plus créatives, les plus subtiles, ne sont pas invitées à participer dans l'espace public. Ou peuvent avoir du mal à se faire entendre. C'est le premier élément, je dirais. Si nous cherchons à remettre en avant ces philosophes, ces penseurs, ces personnes qui pourront vraiment influencer le destin des habitants de la ville, nous devons les inviter dans l'espace public à participer. Nous savons à quoi nous avons droit, ce que nous méritons. Et je l'ai dit dans mon introduction, je fais le lien avec les droits humains. Nous connaissons nos droits, mais souvent, il peut être difficile de savoir si nos droits humains sont tous respectés. Il faut pouvoir demander ce à quoi nous avons droit. Ce n'est pas offert sur un plateau d'argent. Il faut aller les faire respecter. Il faut se battre pour nos droits. Une avenue, je dirais, pour y arriver, par exemple, par rapport à la mise en place de l'électricité, cela peut être une première voie de modernisation de nos villes, dans l'électricité, dans tous les quartiers, fiable, permanente. Le troisième élément pour y arriver, je dirais, est le réseautage. Le réseautage entre nos communautés, le gouvernement et les organisations internationales. Et donc, ces trois mesures clés, je les ai présentées aujourd'hui, je pense, ce sont le meilleur moyen pour moi d'arriver à réaliser les droits humains, leur plein potentiel dans nos villes en Afrique. Merci, Dr. Brighton Nkrumah de l'Université du Cap, l'Institut Doula Omar. Merci pour cette contribution, cette intervention. Vous avez parlé de l'importance du réseautage, des partenariats, de la réalisation des droits humains dans nos villes. Nous allons bientôt entamer la discussion. Je vais tout d'abord présenter nos membres du panel. Est-ce que je peux demander que les panélistes allument leur caméra? Allumez votre webcam, s'il vous plaît. Vous avez donc entendu Dr. Brighton Nkrumah. Il est donc chercheur au Global Change Institute en Afrique du Sud, ici même. Nous allons entendre le fondateur de l'Organisation pour une Afrique verte pour la jeunesse, Joshua Mposem, présent, il est fondateur et coordinateur au Ghana. Nous avons également Madame Takoana Maema, responsable du programme ORIBI. Nous avons également Madame Dr. Sarah Kandirachi, directrice associée, représentant ARUP. Et nous avons également Sinikiwe Kade Manga, assistante sociale au Zimbabwe, représentant des droits des personnes en situation de handicap. Et porte-parole pour cette communauté. Je vais d'ailleurs commencer par vous, Sinikiwe. Nous avons entendu dans l'introduction l'importance du réseautage, l'importance de créer du lien entre les organisations de société civile pour renforcer le tissu social de nos villes. Et puisque nous l'avons entendu, vous êtes porte-parole, vous défenseuse des droits des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pourriez partager avec nous
votre point de vue, peut-être les témoignages que vous avez entendus. Quelle peut être l'expérience des personnes en situation de handicap dans les villes africaines? Quelle est l'expérience sur le terrain? Quelles pourraient être des améliorations à apporter pour qu'ils aient vraiment les villes qu'ils méritent? Merci. J'apprécie ce titre, Les villes que nous méritons. Merci pour cette invitation. Je sais, nous tous, dans les différents pays africains que nous représentons, nous méritons des villes meilleures, des villes adaptées. Et je suis effectivement militante. Je dirais que nous avons besoin, nous méritons des villes dans lesquelles nous nous sentons en sécurité, nous nous sentons à l'aise, qui sont adéquates, appropriées. Ah, nous avons perdu la connexion avec Sinikiwe. Nous pouvons peut-être demander à Sarah. Sarah, nous avons entendu Sinikiwe nous parle de villes où la population peut être à l'aise, des villes confortables, des villes appropriées. Alors Sarah, peut-être que vous pouvez réagir. Comment est-ce que nous pouvons rendre nos villes plus inclusives en prenant en compte différentes populations, par exemple les enfants? Comment pouvons-nous avoir des villes qui soient confortables et sûres pour les enfants? Merci pour cette invitation. Bonjour. Tout d'abord, merci à toutes et à tous. Je crois que je suis la seule panéliste non africaine, mais j'ai travaillé depuis 12 ans dans différents pays, différentes villes africaines. Je travaille pour l'Afrique et mon fils est né à Nairobi d'ailleurs. Je ne travaille plus en Afrique, mais sur les sujets touchant l'Afrique de l'extérieur. Et j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs sur ce sujet. Et nous avons pris en compte le fait que les villes doivent être appropriées pour une population de tout âge, en insistant sur cette libre circulation, une mobilité importante et le contact avec la nature. Et nous avons besoin de bâtir des villes qui soient appropriées à la fois pour la population, pour les personnes et pour la nature, puisque la recherche nous montre que le jeu est extrêmement important pour les enfants. Vous avez demandé pour les enfants particulièrement. C'est pour leur croissance, leur développement moteur et intellectuel. Ils ont besoin de ce contact avec la nature, que ce soit pour les compétences cognitive, sociale, émotionnelle. Et donc de s'assurer que des espaces verts, des espaces de jeu sont disponibles pour les enfants, parce que donc lorsque les enfants jouent grâce à ces espaces de jeu, ils vont développer leurs compétences. Et ce n'est pas seulement bon pour les enfants, mais c'est bon pour toutes et tous, pour les adultes aussi, bien sûr, que ce soit la jeunesse, les adultes ou les aînés, parce que par le jeu, ils peuvent soulager, diminuer leur stress, continuer à développer leurs compétences. Et c'est prouvé. Nous savons que la recherche a démontré que cette valeur du jeu est éprouvée actuellement, mais c'est souvent perçu comme un élément qui n'est pas aussi important que peut-être la mobilité ou la circulation. Et c'est très important, je pense, également dans le contexte africain. Il n'y a pas suffisamment d'investissement, de mise en avant de ce sujet sur l'espace qui pourrait être créé pour les enfants. J'entends qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement de la part des gouvernements, des promoteurs ou d'autres parties prenantes travaillant dans les villes africaines. En conséquence, je pense qu'il nous manque ces espaces et nous ratons des opportunités de pouvoir apprendre, de pouvoir interagir avec d'autres communautés.
c'est très important pour les millions d'enfants, des enfants qui peuvent être parfois dans des camps de réfugiés, par exemple, en Afrique. Il leur manque des structures, des infrastructures, des espaces publics, ce qui peut entraîner des éléments de stress, d'environnement pollué, trop pollué, alors qu'ils auraient besoin d'espaces de jeu, d'espaces qui leur donnent des opportunités d'apprendre, d'interagir avec d'autres. Il y a des données qui montrent qu'au moment où on crée un espace de jeu dehors, eh bien, ça devient un espace pour toute la communauté. Par exemple, nous travaillons avec une société au Cap et nous développons des espaces de jeu et cela permet le développement de certaines compétences. Donc, c'est très important dans le design de ces espaces de réfléchir à cela. Nous travaillons avec une organisation au Brésil qui s'appelle Studio Maisum. Et c'est un projet de design. Nous travaillons dans un établissement informel là-bas. Et donc, nous avons conçu l'espace pour faire la promotion de l'allaitement. Et cet espace est devenu non seulement cet espace est devenu un endroit sûr pour les femmes qui allaitent et aussi pour les enfants. C'est aussi devenu un endroit où nous pouvons faire la promotion de l'allaitement et de se sentir sûr de pouvoir le faire à l'aise. Et donc, il faut réfléchir au changement de comportement quand nous concevons ces espaces. Merci beaucoup, Sarah. C'était très intéressant. Ce que j'entends, c'est que ces espaces sont conçus en ayant le jeu et les enfants en tête, mais que cela sert à un impact plus grand. Et que dans la conception des villes, il faut réfléchir aux personnes les plus vulnérables. Parce que lorsqu'on est inclusif comme ça, tout le monde sera impliqué. J'ai écouté une présentation une fois où on parlait de lorsqu'on conçoit des villes pour les enfants, eh bien, c'est à ce moment-là que tout le monde peut participer. Donc, merci beaucoup. Et Sinikiwe, donc vous êtes de retour, vous avez commencé à parler d'espaces confortables et sûrs pour les gens vivant avec des handicaps. Sinikiwe, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis. Donc, comme je disais, pour moi, ce qui est le plus important en tant que militante, il nous faut des villes qui sont physiquement accessibles parce que, en tant que personne vivant avec un handicap, quand je me réveille le matin, je me dis, oh oui, il faut aller travailler, il faut que je me déplace. Et je ne veux pas réfléchir à qui va m'emmener parce que je ne peux pas être indépendante dans ma ville, que ce soit Accra ou le Cap, etc. Comme par exemple, j'ai fait mes études à l'université du Cap et aux alentours de l'université, j'étais très confortable, très indépendante. Mais au moment où je me suis dit, oh non, je veux aller dans un centre commercial ou si je voulais me déplacer en dehors du campus, eh bien, c'était très compliqué. Et c'était aussi compliqué financièrement parce que là, il faut que j'engage quelqu'un qui va pouvoir m'assister et m'accompagner. Les autorités aussi nous déçoivent. Au Zimbabwe, quand il s'agit d'améliorer la vie de personnes vivant avec des handicaps, ils disaient bien on veut faire ceci, cela, mais seulement quand on aura le financement. Et donc, c'est une excuse
parce que nous n'allons pas avancer comme ça. Les ressources ne sont pas toujours disponibles. Et il faut faire le sacrifice. La dernière intervenante a dit que quand on conçoit des villes, qu'il faut réfléchir aux personnes les plus vulnérables. Et quand on fait ça, les villes deviennent accessibles à tout le monde. Les villes en Afrique ne sont pas des villes sûres. Et c'est parce que nos systèmes ne fonctionnent pas. Donc, par exemple, les feux rouges, quand ça ne fonctionne pas, ce n'est pas sûr pour une personne comme moi. Parce que quand je veux traverser la rue, je suis obligée de courir avec les autres. Il n'y a pas de feu rouge qui nous guide. Les feux de circulation doivent fonctionner. Donc la sécurité, nos villes ne sont pas sécuritaires. Nos villes sont fatigantes physiquement et émotionnellement. Et l'Afrique mérite de meilleurs espaces, des espaces qui nous mettent à l'aise. Merci, merci beaucoup, Sinikiwe. Et je vais revenir et parler de certaines choses que vous avez évoquées. Oui, nous méritons plus. Je vais maintenant donner la parole à Matthew Richard. Donc, nous avons parlé le rôle important du leadership. Quand nous regardons le leadership à travers l'Afrique, nous pensons à des personnes qui ont plus de 60 ou 70 ans, mais notre population est jeune, vibrante. Donc, il y a un écart là. Sinikiwe a parlé du rôle du leadership. Elle a parlé de nos leaders aujourd'hui et le fait qu'ils ne font pas, qu'ils sont censés faire. Donc, vous êtes quelqu'un qui travaille dans des espaces avec les jeunes. Quel est le rôle du leadership pour changer le dialogue aujourd'hui, pour changer les villes africaines? Si nous voulons que nos villes deviennent plus durables, résilientes, des villes avec des espaces verts pour tous et toutes, pour les jeunes, pour les personnes vivant avec des handicaps, quel est le rôle des leaders? Merci beaucoup. Je suis content d'être ici avec vous parmi les différents panélistes. Donc, les rôles clés. Dr. Sarah a mentionné, quand on conçoit un espace de jeu, il faut concevoir l'espace pour les jeunes, mais on crée aussi un espace pour tout le monde. Le leadership doit intégrer les points de vue de tout le monde, des jeunes, des personnes vivant avec des handicaps. Il faut que ce soit transmis dans leur politique. Il faut rassembler toutes les parties prenantes pour réfléchir et réfléchir à des solutions pragmatiques, des modèles pragmatiques qui pourraient développer nos villes. Nous sommes sur un continent où les leaders pensent qu'ils savent tout, que les jeunes que leurs points de vue ne sont pas importants et qu'ils doivent prendre les décisions à leur place. Ça fait partie un peu de la culture, de notre culture. Les populations plus âgées prennent les décisions pour les plus jeunes. Mais, donc, les points de vue des jeunes, des femmes, des personnes vivant des handicaps, leurs points de vue ne sont pas pris en compte dans la prise de décision. Surtout quand il s'agit de décisions importantes et pour le développement de nos villes.
Je voulais aussi parler de quelque chose que Dr. Kuma a dit. Parfois, il n'a pas la volonté politique de prendre en compte ces points de vue. Et ça pourrait nous aider à développer nos villes. Et c'est parce que ces solutions ne sont pas menées par les leaders politiques et ne soutiennent pas leur agenda politique. Et donc, ils priorisent leur agenda politique au développement des villes. Et c'est dommage parce que tout le monde pourrait jouer un rôle dans la conception de ces agendas. Donc, il nous faut un changement systématique. Il faut changer le mindset de ces leaders pour pouvoir créer des villes durables à travers l'Afrique. Merci beaucoup, Mathé. Merci. Vous avez parlé du développement et comment cela est mené sur le continent à travers un agenda plutôt que par volonté. Ekwanja, je m'excuse, je pense que je prononce mal votre nom, mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire comment on prononce votre nom? Takwana. Vous pouvez aussi m'appeler Tax. Merci d'avoir essayé. Est-ce que vous pouvez rebondir ce que Mathieu vient de dire? Donc, quel est le moteur du développement sur le continent? Quand nous pensons aux processus informels comme étant des processus pour un moteur de développement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont les choses que nous pouvons faire, des choses que vous avez vues de votre expérience personnelle sur le terrain pour développer ces agendas de développement? Merci pour votre question. Donc, les processus informels ou les activités microéconomiques sont exemples en eux-mêmes de comment les gens ont utilisé leur propre libre arbitre pour améliorer les villes pour les habitants. Lorsque je parle, je vais faire référence aux villes dans lesquelles j'ai vécu ou j'ai travaillé, donc le Cap ou le Soto. Donc, je ne veux pas dire que c'est une histoire africaine, mais peut-être que c'est le cas. Ce qui est important dans la conception des villes que nous voulons, et quand nous réfléchissons à des villes comme étant des endroits d'activité économique, comment pouvons-nous comprendre les activités qui ont lieu en dehors de l'économie formelle et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces activités? Et comment pouvons-nous inclure ces activités quand nous pensons à l'économie? Parce que lorsque nous réfléchissons de l'économie, nous pensons à l'internalisation. Les processus informels, nous essayons de changer leur nature avec les réglementations. Nos politiques ne permettent pas de permettre ces activités. Il faut les célébrer, il faut les reconnaître. Il faut aussi reconnaître que aussi la précarité existe, qu'il n'y a pas de protection sociale en termes de sécurité physique, le climat. Ces personnes-là ne sont pas protégées contre les chocs économiques. Donc, comment apprécier, comment apprendre
comment prendre ces activités et les personnes qui mènent ces activités, comment les percevoir comme étant des experts et leur faire participer au processus de la conception de ces agendas. Et c'est quelque chose que je tiens à cœur. Et il faut apprendre de cette nature coopérative pour prendre cela et le faire dans la conception de nos agendas. Il faut apprendre ensemble. Quand on parle de technologie, comment pouvons-nous utiliser la technologie pour nous aider dans ce processus? Donc pour moi, c'est là où c'est assez passionnant. Il faut commencer à penser de nos solutions parce que les activités de microéconomie ont un contexte. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Sarah, le fait de jouer, la joie. Si nous avons des espaces avec ces micro-activités, ça me permet, moi, en tant que micro-entrepreneur, de pouvoir être inspirée et d'avoir un réseau. Dans le contexte de l'Afrique du Sud, l'interprète s'excuse, il y a pas mal de bruit de fond. Il est important de réfléchir au système et à l'environnement qui entoure ces différentes activités. Merci, merci beaucoup. Il y a beaucoup qui se passe au niveau micro. Il faut qu'on soit conscient de tout ça. Mais il y a un écart entre ce qui se passe à ce niveau-là et au niveau de la ville et au niveau régional. Il n'y a pas de lien entre le libre arbitre et les politiques nationales ou régionales. Donc, cette question est pour tous nos panélistes et je vais commencer avec vous, Intax. Donc, nous parlons d'échelle, donc des niveaux qui se passe au niveau micro. Comment prendre le jeu et concevoir une ville basée sur cette idée? Nous avons vu les Africains prendre leur propre initiative et répondre à des problèmes sur le terrain et créer leur propre réalité avec rien du tout. Donc, comment pouvons-nous faire ça à une plus grande échelle? Pour que ça marche pour que ça réponde à des questions de développement plus larges, sur un niveau régional, etc. Donc, Intax d'abord, ensuite Sarah, et ensuite nous poserons la même question à Senui Kiwe. Merci pour cette question. Pour moi, et du point de vue de Nairobi, une des choses qui me passionne le plus, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, cette année, à l'Assemblée générale de l'ONU, en ce qui concerne une économie solidaire. Une fois qu'on a reconnu ce genre d'économie à ce niveau, c'est une économie qui est très inclusive. Et je trouve ça, c'est très encourageant. C'est comme ça que nous allons pouvoir intégrer les différents besoins, les différents niveaux de droits, d'appartenance dans ce cadre et dans cette structure. Et ensuite, il faut voir la politique. Nous parlons de solidarité,
Donc, comment créer de la solidarité entre ces différents niveaux? Entre les petites activités au niveau local, ça peut être entre les villes, ça peut être entre les différentes nations. Et c'est très passionnant. Il faut prendre tout ça au sérieux. Parce que maintenant, quand on définit le type d'économie que nous voulons voir à l'avenir, c'est comme ça que nous pouvons commencer à concevoir les bonnes politiques et faire un travail de plaidoyer pour ces choses-là. C'est très encourageant et je veux juste être très claire. Il faut qu'on le définisse du point de vue africain. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, aussi au niveau national. Ensuite, nous pouvons comprendre en tant qu'individu comment on navigue au sein de cette économie. C'est une économie qui prend en charge, prend en compte toutes les questions écologiques, sociales, etc. Il faut trouver de nouveaux acteurs, des institutions, des militants, etc. Il faut créer des communautés de compréhension parce qu'une fois que nous avons fait ça, une fois qu'il est temps de prendre des décisions et de concevoir des politiques, il faut toujours se poser la question qui n'est pas autour de la table? Qui a été oublié? Et réfléchir à comment nous pouvons inclure ces personnes-là. Il faut que tout le monde ait accès à ces discussions. Moi, en tant que représentante institutionnelle, je veux représenter tout le monde. Je veux être là et représenter tous les entrepreneurs parce que c'est l'occasion pour moi d'apprendre. Souvent, nous ne comprenons pas les dynamiques de pouvoir. Peut-être que nous avons eu la capacité d'être vulnérables. Ou peut-être que on a plus l'occasion de s'exprimer dans un espace comme celle-ci. Merci. Donc maintenant, Sarah et ensuite Mathieu. C'est une super discussion. Donc oui, il y a beaucoup d'initiatives au niveau micro. En Afrique, par exemple, le travail de la fondation à Accra, où ils travaillent sur les espaces de jeu basés dans la nature, ou bien le projet des espaces de jeu autour de lacs ou d'eau. Donc, pour pouvoir faire ces projets sur une plus grande échelle, il y a deux questions. Donc, c'est une question de gouvernance et une question de conception. Du point de vue gouvernance, nous ne parlons pas aux bonnes parties prenantes. Il faut sensibiliser sur l'importance de créer des espaces inclusifs. Et il faut parler aux bonnes parties prenantes, donc les autorités gouvernementales et au niveau local. Il faut qu'ils aient les bonnes structures en place et qu'ils soient capables de renforcer les lois qui sont déjà en place. Il faut aussi inclure les développeurs et les investisseurs parce qu'ils ont le financement pour créer ces villes en Afrique. Et souvent, seulement il y a peu de ces gens-là prennent en compte la durabilité, le climat, l'accessibilité, l'inclusivité dans ces espaces. Donc, je pense que nous ne parlons pas aux bonnes personnes pour pouvoir avoir une bonne influence et aussi pour avoir une influence sur la conception de ces espaces en Afrique.
Et donc, quand il s'agit de gouvernance, c'est quelque chose que nous avons vu aujourd'hui. Il faut s'engager avec toutes les parties prenantes. Les gouvernements, il faut aussi parler avec les communautés, les groupes les plus vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes vivant avec des handicapés. Quand on crée les espaces pour ces personnes marginalisées, c'est là où nous créons des espaces inclusifs. En Afrique, il y a beaucoup d'établissements informels. Quand on parle de jeux, les gens se disent, ben non, on a des vrais problèmes. Donc, ce que j'essaie de faire à travers mon travail, changer la conception, de changer la structure de certaines infrastructures. Il faut réfléchir aux besoins des bénéficiaires. Mais il faut aussi réfléchir au bien-être de ces gens-là. Il faut vraiment changer notre conception de ces solutions. Et c'est ainsi que nous allons avoir un plus grand impact. Il faut réfléchir au bien-être des bénéficiaires en tant que personne, en tant qu'être humain. Et il faut que ce soit la façon de conception. Et j'ai beaucoup de belles exemples de cela. Il faut que ce soit systématique et pas seulement quelque chose de gentil ou de bien qu'on fait de temps en temps. Il faut vraiment que ce soit systématique. Donc, je pense que tout ça est très est essentiel. Donc, il ne faut pas essayer de complexifier un processus qui est déjà compliqué parce que les gens ne voudront pas nous écouter. Il faut trouver des façons d'appliquer cela de façon simple. Je sais que Ikley est très passionné de la diversité et de la biodiversité. Et donc, nous pourrions utiliser ça dans la conception de solutions basées sur la nature. Et essayer d'intégrer aussi ce concept de jeu à travers les solutions basées sur la nature. Nous avons un impact sur l'environnement. Il faut que ce soit fonctionnel, mais aussi, si on ajoute cet aspect de jeu, on crée des espaces pour la société. Donc, le message clé, il faut avoir de bonnes parties prenantes qui ont les bonnes connaissances, qui s'engagent, qui investissent, qui vont pouvoir appliquer ces pratiques dans leur travail au quotidien. Comme ça, c'est quelque chose qui devient systématique dans leur travail. Merci. Oui, c'est bien de... Je retiens qu'il faut appliquer et que ça doit devenir systématique dans notre façon de travailler. Donc, les initiatives qui existent déjà, comment pouvons-nous prendre ces choses-là et les faire sur une plus grande échelle? Et comment faire en sorte que ça devienne un changement systématique dans notre façon de travailler? Une des choses qu'il faut faire pour prendre ces initiatives et les faire sur une plus grande échelle, c'est d'avoir une plateforme où ces initiatives peuvent être partagées à l'étranger. Ainsi, il peut avoir un apprentissage. Et les initiatives dans les différents pays peuvent être reproduites dans d'autres pays. Tout le monde saura ainsi les différentes compétences nécessaires, les différentes opportunités, les possibilités
de voir comment une solution qui fonctionne au Ghana pourrait travailler, marcher aussi en Afrique du Sud ou ailleurs. Numéro 2. Comment développer des idées, des propositions de financement autour de ces solutions de transformation qui sont communiquées sur le terrain dans les communautés? Par exemple, nous avons un jeune, une personne jeune qui est à la tête d'un projet zéro déchet. Comment mettre en avant ce projet pour attirer les bons financements et pouvoir mettre à l'échelle ce projet pour qu'il passe d'une capitale qui puisse aller à Tamale, à Kumasi, au-delà d'Accra pour aller vers Abidjan ou Ouagadougou, que ce projet qui a démarré peut-être à Accra dans un quartier puisse se répandre à d'autres quartiers, d'autres districts et d'autres capitales, d'autres villes. Comment, c'est ma question, comment attirer le bon financement pour que ce modèle soit reproduit et mis à l'échelle? Je recommande tout d'abord que nous ayons le bon cadre politique, que ces initiatives puissent tirer profit de ces mesures publiques, de ces politiques pour être mises à l'échelle. Pour cela, il faut que les femmes, les personnes en situation de handicap, les autres communautés, puissent être impliquées dans les discussions sur les mesures d'action publique. Je dirais que souvent, nous voyons des personnes qui veulent être impliquées dans un espace parce qu'ils voient ce rétrécissement de l'espace civique. Mais à cause de ce rétrécissement, ils restent au sein de leur communauté, de leur petit groupe. Mais nos gouvernements, nos dirigeants ont des ressources, des financements, et eux, ils vont chercher à les attribuer, à affecter ces financements en fonction des mesures d'action publique, des priorités politiques. Voilà, c'est pourquoi je dirais que nous, il faut pousser nos initiatives en avant pour influencer ce programme politique, pour influencer ces questions de gouvernance, pour être entendu, pour avoir un siège à la table des négociations, pour faire partie de la programmation, pour que nous soyons pris en compte dans l'agenda politique, dans le programme politique. Parce que c'est ainsi, si nous prenons cette approche descendante, nous le voyons dans nos pays, cette approche descendante n'est pas alignée. Les décisions, par exemple, d'affectation des financements, les décisions exécutives, les décisions législatives, ne sont pas alignées aux besoins des communautés sur le terrain. Alors, il faut participer dans l'espace civique, l'espace public. Nous savons qu'il y a des groupes actifs, que ce soit pour les avancées technologiques, pour les avancées sociales, pour les avancées dans différents domaines. Nous avons besoin de cet apprentissage entre pairs. Quels sont les besoins de ces communautés impliquées dans la technologie, dans les mesures d'action publique, dans le développement urbain? Il nous faut un cadre commun. Un cadre pour les militants également, pour pouvoir être pris en compte. Alors, je pense que
C'est nos dirigeants, en fait, nos décideurs, ceux qui décident des mesures d'action publique, ont besoin d'entendre les voix des communautés, ce qui se passe sur le terrain, les besoins concrets dans nos villes. Ils ont besoin d'entendre ces initiatives qui ont déjà lieu sur le terrain, qui sont en fait le reflet de la véritable société, des besoins de la société. Et il faut ainsi influencer la sphère législative pour que nous ayons cette influence sur l'élaboration des règlements, des lois. Et au final, les financements, nous l'avons dit, sont attribués en fonction des programmes politiques et souvent les donateurs vont également venir s'intéresser aux règlements et aux politiques pour décider des financements à attribuer. Merci, merci beaucoup pour cette intervention. Nous l'avons dit, nous avons besoin d'apprentissage croisé. Nous avons malheureusement une des contributions dont nous avions besoin, c'était le point de vue des expatriés. Nous avions notre représentant des expatriés qui est malheureusement pas présente, mais c'est idées finançables. J'ai entendu ce point, c'est tout à fait pertinent. Et sur le cadre que vous avez évoqué, les règlements, législations, le cadre dont nous avons besoin autour des différentes parties prenantes, oui, je l'entends, c'est vraiment un fil rouge dans nos discussions. Et c'est là que je vais inviter Dr. Bright, et ensuite je vais redemander à Sini Kiwe, nous allons revenir vers vous, parce que tout d'abord, Dr. Bright, vous avez parlé de ce sujet, vous avez écrit sur ce sujet. L'organisation ascendante, à partir du terrain, ce besoin et cette capacité de changer de paradigme en écoutant les communautés, le terrain, des initiatives qu'on pourrait déjà mises en place. Nous savons que c'est une des options au sein de tout ce large spectre de possibilités. Mais donc, la question est à propos de l'élément qui manque dans les discussions, ce qui manque, c'est cette écoute des différentes voix. Comment assurer l'inclusivité? Comment assurer cette inclusivité de toutes les voix dans les initiatives? Nous parlons ici de voix d'enfants, peut-être de jeunes ou de personnes en situation de handicap. Je vais demander tout d'abord à Dr. Bright, ensuite je vais demander à Sini Kiwe, comment vous vous organisez alors pour faire remonter ces initiatives à partir du terrain? Êtes-vous toujours avec nous, Dr. Bright? Si vous avez des questions, je vous propose de les mettre dans la messagerie. J'ai vu qu'il y a une autre question pour Bright Kroma et nous avons une question pour Sini Kiwe également. Bright n'est pas disponible, alors Sini Kiwe, vous avez la parole. Mince, Sini Kiwe semble avoir perdu sa connexion également. Alors, nous avons perdu nos deux panélistes à qui j'allais donner la parole. Merci, si vous souhaitez prendre la parole. Alors, vous pouvez bien sûr me corriger, membres du public, si vous pensez pouvoir ajouter des informations. Je dirais en premier lieu qu'il peut être difficile de partir du terrain, de travailler à partir du terrain avec une approche
ascendante. Je réponds à ce que disait Mathieu également, il faut nous organiser. Et qu'est-ce que cela signifie, nous organiser? Il faut savoir de quelle façon, sous quelle forme allons-nous nous organiser? Comment allons-nous utiliser ce pouvoir, cette autorité collective, cette intelligence collective pour nous organiser? Ma réponse serait que les décideurs politiques, les décideurs d'action publique, parfois peut-être préfèrent nous écarter. Et parfois, c'est une question d'outils, une question de langue, de langage que nous utilisons. Il faut comprendre les cadres réglementaires et législatifs. Il faut les comprendre et après, il faut pouvoir les traduire parfois pour qu'ils soient dans l'esprit des communautés, pour qu'ils soient compris par toutes et tous. Il manque, je pense, parfois cet espace central. En Afrique du Sud, dans nos communautés, nous posons la question souvent, qui prend la décision? Qui sont nos décideurs politiques? Parce que je dirais qu'effectivement, il y a cet écart entre les initiatives sur le terrain, ceux et celles qui travaillent sur le terrain, et les décideurs politiques. Il y a un écart en termes de langage et de réalité, bien sûr. Alors, il faut parler de représentation. Il faut parler d'équité et se poser la question, comment allons-nous créer cet espace, ce milieu qui permet à toutes et à tous de s'exprimer pour qu'il soit entendu, pour qu'il soit compris. Comment passer du dialogue à l'action? Et je pense pour passer du dialogue à l'action, il faut créer ce périmètre de conversation commune, d'action, de plan d'action avec un objectif commun. Nous savons que les différentes structures, les groupes individuels vont agir différemment. Donc, c'est la deuxième étape. Et ensuite, comment allons-nous mesurer, vérifier que nous réussissons, nous atteignons les objectifs, que nous sommes sur la bonne voie? Je sais que parfois, dans ces espaces, nous voyons il y a un élément qui manque, c'est la responsabilité et la redevabilité. Quels seront les jalons? Quel sera le calendrier pour mesurer l'efficacité des plans? Nous avons, par exemple, en Afrique du Sud, nous avons souvent des programmes sur 5 ans qui suivent les programmes politiques, mais il faut aussi réfléchir à l'impact beaucoup plus sur le long terme. Voilà mon point de vue sur cette question, même si vous ne m'avez pas laissé beaucoup de temps pour me préparer à la réponse. Merci beaucoup. Merci pour cette belle intervention. Je vois que Sini Kiwe est revenue à l'écran, j'espère que vous êtes bien connectés. Vous nous avez dit tout à l'heure que la participation n'est pas seulement une question de représentation, il s'agit d'espace équitable, ouvert, d'espace disponible. Alors, Sini Kiwe, j'aimerais revenir vers vous. Comment est-ce que vous vous organisez pour permettre aux personnes en situation de handicap de participer, de se faire entendre? Vous savez, est-ce que c'est un exercice, vous savez, de quota? De dire oui, nous avons tant de personnes en situation de handicap qui participent dans cet espace. Est-ce que nous voulons aller au-delà? Nous cherchons à inclure toutes et tous les personnes régulières, nous pourrions dire les personnes en situation de handicap. Et je ne sais pas si Sini Kiwe va pouvoir répondre, il semblerait qu'elle ait de nouveau un problème de connexion. Dans ce cas, nous allons revenir vers Sarah
où nous avons parlé de cette participation. Ce n'est pas seulement une question de représentation. Nous ne voulons pas seulement deux personnes qui représentent cette communauté pour dire oui, nous les prenons en compte, mais véritablement les inclure, leur donner accès. Sarah, vous nous avez expliqué votre point de vue en tant qu'experte, le résultat de la recherche, en particulier vos recherches basées sur les besoins des enfants. Nous pouvons dire que ce que les enfants en Afrique vont prioriser, c'est différent de ce que les enfants en Europe vont prioriser dans leur espace de jeu. C'est pourquoi, après la planification, l'organisation des villes va être différente en Europe et en Afrique. Merci, Founmi, pour cette question. Oui, c'est vrai que parfois, nous mettons en avant une certaine conception de la ville en pensant ce qui va faire plaisir à telle population, par exemple, que ce soit les enfants ou une autre population. C'est pourquoi, dans le cadre d'un projet, au moment de l'évaluation, du design, de la conception et de la mise en œuvre, il faut toujours être engagé, interagir avec, que ce soit les enfants ou d'autres communautés. Il faut donc une conception commune. Il faut inclure les enfants et les communautés. Au Cap, par exemple, nous avons organisé un concours où nous avons demandé aux enfants de prendre des questions, des espaces de jeu qu'ils n'apprécient pas. Et aussi, quels sont les endroits où ils aiment aller pour jouer, où ils se sentent bien. C'est un exemple de prise en compte. Où nous avons travaillé avec ONU Habitat, par exemple. Je pense que vous savez qu'ils ont utilisé, par exemple, le Minecraft pour obtenir des informations également, ou avec Lego. Nous demandons à un groupe d'enfants d'utiliser des Lego, de nous montrer ainsi à quoi ressemble la ville qu'ils souhaitent voir se réaliser, ou des ateliers. C'est une autre façon ludique d'obtenir la vie des enfants. Et vous pouvez vous engager avec les enfants, que ce soit à partir de l'âge de 3 ans, s'engager, je veux dire, dans une conversation, dans des sortes d'études de marché. Donc, effectivement, ils n'ont pas forcément les connaissances, mais ils auront exprimé déjà leurs besoins. Et souvent, ce qui peut manquer dans ce genre de projet, c'est le financement, effectivement. Vous avez 0,0009% du budget consacré à la recherche en amont, à l'évaluation, cette étude de marché, cette interaction avec les enfants, avec les groupes. Alors qu'il faut le faire, c'est une étape très, très importante. Donc, il faut que ce point soit pris en compte au moment de la conception du budget. Vous avez posé la question à propos des handicaps. Les situations en situation de handicap, et j'ai en tête un exemple au Uruguay où nous travaillons avec une organisation qui s'appelle Espacio Ludico. Cela veut dire espace de jeu. Une association qui a mis en place des espaces de jeu à Montevideo en collaboration avec des écoles. Avec la population, avec la communauté de malentendants également. Je pourrais vous montrer, si vous voulez un jour, des vidéos pour, dans le cadre de cet espace de jeu, où nous voyons ces personnes, par exemple, malentendantes, qui participent entièrement en utilisant la langue des signes. Et donc, nous encourageons maintenant, ils encouragent cette association, les personnes à apprendre la langue des signes pour pouvoir interagir avec des malentendants, des sourds. Donc, c'est intéressant de prendre en compte cette communauté, par exemple, qui n'a pas toujours un espace où participer. Lorsque vous leur donnez un espace, ils sont d'un seul coup visibles, inclus, présents. Et suite à cette initiative, nous avons vu, par exemple, des
ce genre de projet peut être appliqué pour d'autres populations, comme les personnes âgées, les aînés, qui souvent ne sont pas entendus dans les conversations sur l'urbanisme, l'organisation des villes. Donc, en commençant avec les enfants, ceci a pu est un projet qui a pu s'élargir à la population des personnes âgées, qui trouvent aussi que les villes ne sont pas créées pour les inclure. Je pense que ce sont des initiatives intéressantes, prendre en compte effectivement les différentes communautés en établissant une relation de confiance. Il faut bien sûr, si l'idée est de pouvoir concevoir des villes qui vont être accueillantes pour les différentes communautés, que ce soit les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, il faut savoir les écouter. Cela va permettre d'établir ce lien de confiance. Merci. Et donc encore, il est important, je répète, il est important d'avoir la participation des personnes les plus vulnérables. Et c'est ainsi qu'on aura la participation de tout le monde. Donc maintenant, je vais donner 4 minutes à chacun des panélistes pour s'exprimer. Donc ce que Sarah vient de dire, l'engagement des personnes les plus vulnérables, avoir des agendas centrés sur la personne. Qu'est-ce que nous méritons pour nos villes? Brett, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Et je ne sais pas si Sinikiwe est de retour. Mathé? Donc, nous méritons des villes qui soient inclusives et qui mettent en valeur notre culture, notre identité en tant qu'Africain. Parce que je vois un changement de un passage de qui nous sommes à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous devons apprendre à coexister ensemble. Nous avons ce mindset de nous sommes différents de cet autre Africain. Mais si on réussit à créer une ville qui nous rassemble en tant que collective, des villes qui mettent en valeur la culture africaine et qui nous rassemblent en tant que peuple, ça nous permettra de réfléchir de la même façon, de rassembler nos ressources. Ça nous permettra de devenir une collective soudée qui pourra concevoir des modèles pour créer les villes que nous souhaitons. C'est important. Nous avons parlé de ça aujourd'hui, l'importance de se rassembler. Il ne faut pas qu'on oublie notre identité. Il ne faut pas oublier que nous sommes Africains, que nous sommes un peuple. Nous ne sommes pas divisés, nous ne sommes pas différents l'un de l'autre. Quand nous regardons la culture africaine, nous voyons certains aspects que nous retrouvons dans tous les différents pays. Et c'est pour ça qu'il est important de reconnaître que notre culture est importante et notre identité doit rester essentielle dans la conception des villes que nous voulons. Merci. Merci beaucoup, Mathé. Intax? Merci pour m'avoir posé cette question. Nous méritons des villes, des espaces où moi, en tant qu'individu ou en tant que collective, où je me sens bien, je me sens confiante, que je peux innover, créer et façonner la ville.
Ce sont des villes où les entrepreneurs peuvent se sentir encouragés dans l'environnement de tous différents aspects. Des environnements qui leur permettent de gagner leur vie. Et à l'avenir, il faut aussi réfléchir à la circularité des richesses. Il faut que ce soit une énergie circulaire, la richesse. Il faut rebâtir avec ces richesses. J'adorerais avoir une ville où les personnes marginalisées sont au centre et qu'ils soient toujours considérés dans la ville. Nous utilisons des termes comme économie informelle ou périurbain ou bien économie informelle. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons, même avec nos mots, qu'ils n'ont pas le droit d'avoir lieu. Il faut penser aux services de base qui répondent aux besoins de base. Quel est l'impact de l'environnement et l'impact culturel des solutions que nous retrouvons? Oui, bien sûr, peut-être que j'aurai accès à l'eau. Hier, je pense que c'était Paul qui a dit que c'est facile de retrouver les choses que je peux voir. Donc, des pompes à eau, des panneaux solaires. Donc voilà, j'ai accès à l'eau, j'ai accès à l'énergie. Mais ce sentiment d'appartenance, est-ce que j'ai ce sentiment d'appartenance à la ville? Donc, il faut garder ça en tête. Et aussi, c'est bien de garder les filles, les femmes, mais il faut aussi réfléchir à comment on s'occupe de ces personnes. Il faut qu'on ait ça à l'esprit dans la conception de nos villes. Et je pense que tout ça est lié. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Intax. Je ne sais pas si Sinekiwe est là. Oui, je suis là. Donc, je vais faire la présentation sans la vidéo parce que je pense que mon réseau n'est pas stable. Donc, les villes que nous méritons sont des villes harmonieuses où tout le monde vit en harmonie. Donc, les décideurs, les autorités locales, les communautés, les lieux de culte, ceux vivant avec les handicaps, les personnes vulnérables, les enfants, où tout le monde vit en harmonie. Nous avons besoin de villes où tout le monde se sent confiant, des endroits sûrs, accessibles, des villes où chacun a une voix. Chaque personne doit avoir une voix. Dans la conception de ces villes, que ce soit physique, dans la reconstruction des villes, les aspects sociaux, le bien-être émotionnel, toutes les voix doivent être entendues. Il faut que les vulnérables soient au centre, les femmes, les enfants, les personnes vivant avec des handicaps. Je voulais aussi souligner que les civils doivent être accessibles, sécuritaires et des endroits, des espaces où tout le monde se sente à l'aise. Quel que soit votre agenda, votre état physique, ces villes doivent être pour tout le monde. Merci. Merci pour ce que vous venez de dire. Et Sarah, alors quelles sont les villes que nous méritons? C'est difficile d'ajouter à tout ce qui a déjà été dit,
Ce sont des villes où tout le monde, quel que soit leur âge, quel que soit leur genre, leur orientation sexuelle, que toutes ces personnes aient une voix et que leur voix soit entendue et prise en compte aussi. Les villes où tous les besoins de base sont répondus. Des villes qui peuvent trouver des solutions à des besoins fonctionnels de façon créative. Et aussi des villes qui prennent en compte le bien-être physique, le bien-être mental. Comment trouver des solutions créatives dans la conception de ces villes? Il nous faut un changement culturel. Il faut changer notre façon de travailler. Il faut aussi avoir les bonnes parties prenantes, le gouvernement, bien sûr, mais les investisseurs, les promoteurs, les développeurs, des personnes qui prennent réellement les décisions. Ils doivent être sur la même longueur de vague, ils doivent travailler ensemble, travailler main en main avec les communautés, autonomiser les communautés, les écouter et mettre en œuvre et à l'échelle les idées qui sont évoquées par les communautés en Afrique et ailleurs. Il nous faut aussi, je suis d'accord, d'avoir cette approche de soins, de s'occuper. Donc, je vous encourage à regarder notre guide de design qui vous permettra de voir comment créer des espaces où on peut soutenir nos communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les panélistes. Au nom de tout le monde sur l'équipe RISE, je suis très reconnaissante à ce panel. Il y a beaucoup à digérer. Comme j'ai dit au début de la session, nous voulons co-créer lors de cette session. Nous voulons créer quelque chose. Donc, nous allons avoir une minute ou deux. Nous allons travailler sur ce document ensemble et nous allons ensuite envoyer ça à l'Union africaine. Donc, nous allons faire un petit résumé de ce que les panélistes ont dit. Donc, nous passons de moi au nous. Donc, quelques suggestions. Et des villes où nous identité sont au centre, les villes où nous pouvons gagner notre vie, où il y a une circularité de richesse, les villes où les marginalisés sont au centre, où la priorité est le soin de l'un et de l'autre, des villes harmonieuses où nous pouvons vivre de façon confiante, des villes accessibles, des villes où tous les âges et toutes les identités sont prises en compte, sont pris en compte, où tous les besoins de base sont répondus et des villes où toutes les communautés peuvent participer. Donc maintenant, j'aimerais que vous preniez une ou deux minutes, réfléchissez à vous dans 10 ans. Et ensuite, j'aimerais que vous décriviez en une seule phrase. Donc, il faut prendre toutes ces idées et les condenser en une seule phrase. Décrivez la ville que vous voulez en une phrase. Gardez en tête que cela ne s'agit pas seulement de vous, mais de tout le monde, de la ville que nous souhaitons. Donc, réfléchissez pendant une ou deux minutes à cette ville et ensuite écrivez dans le chat, mais ne l'envoyez pas. Nous allons envoyer cette phrase ensemble. Donc, allez-y, prenez le temps maintenant.
Nous avons beaucoup parlé, c'était une belle discussion. Mais comment créer une petite phrase? Une phrase sur la ville que vous voulez ou la ville que vous pensez que nous méritons d'ici 10 ans. Donc, si vous avez 20 ans, quand vous aurez 30 ans, quelle ville souhaiteriez-vous? Si vous avez 40 ans, quand vous aurez 50 ans, quelle ville? Et on a tendance à réfléchir au maintenant, au moment dans lequel nous habitons. Donc, il faut vraiment réfléchir à l'avenir, dans 10 ans. Quelle ville mériterez-vous? Peut-être que vous êtes adolescent aujourd'hui, mais dans 10 ans, vous ne le serez plus. Donc, il faut réfléchir à l'avenir. Donc, 2 minutes de plus. Ne postez pas, ne publiez pas encore votre message. Réfléchissez et rédigez votre petite phrase. Il vous reste 30 secondes. Et donc, nous méritons, blablabla. Pas je mérite, mais nous méritons. Si vous pensez que nous méritons des villes joyeuses, eh bien, vous écrivez, nous méritons des villes joyeuses. Et donc, 10 secondes, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, envoyez vos messages, vos petites phrases. Ah, je suis si contente. Merci. Merci à tous et à toutes de votre participation. Au nom de l'équipe RISE, un grand merci à notre panel d'experts et à toutes les participants. Les participantes qui ont participé ces derniers jours. Merci pour vos idées, vos questions. Merci de votre participation. Un grand merci à notre panéliste et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Merci à tout le monde ici aujourd'hui. Tout ce que vous avez partagé avec nous, nous espérons que nous allons pouvoir ajouter tout ça à notre énoncé pour l'Union africaine. So, si jamais vous voyez votre phrase sur notre document, sachez que ça vient de cette session et merci de votre participation. Nous vous invitons à nous rejoindre pour les autres sessions aujourd'hui. Le lien est dans le chat. Donc, prenez le temps de survoler les différentes sessions et venez, ou sinon, venez à toutes les sessions. Ce soir,
à 18h, nous aurons notre dernier debrief et nous allons pouvoir discuter de tout ce que nous avons appris pendant notre festival. À l'année prochaine. Merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec vous.